Salut les gens, on se retrouve sur le LP et bonjour à tous, c'est le 31. Le 31, le 31. Oui, on a le 31 janvier aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, on est le 30. Et bon, voilà. Alors, je tombe ça quasiment pas à la suite, mais c'est 2 jours d'intervalle. C'est une semaine, 2 semaines. Ça dépend. Alors, j'ai bien joué. Donc, je suis niveau 9, mais je suis mort. Donc, je suis mort, donc j'ai perdu beaucoup de niveaux. J'en ai perdu 14. Pas beaucoup non plus, mais bon, 14. J'ai miné, voilà, j'ai miné, voilà, 9 diamants, voilà. La bouffe, pas trop, j'ai juste fait cuire. Important, il y a du bois encore, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce coffre-ci. Avec en bas, vous avez vu, j'ai bien miné, j'ai bien été chercher du bois. C'était long, mais voilà, c'était faisable. Donc là, on a encore des trucs qui cuisent, voilà. Alors, j'étais attaqué par plusieurs mobs, hein, normal, logique, mais ils m'ont attaqué dans la montée, donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai mis mon game mode en passif. Pourquoi en passif? Parce qu'on va faire de la construction, et construction dehors, c'est chiant en mode hostile, donc voilà. J'ai pris en mode passif et on est parti, on va aller créer notre maison. Donc on va créer une petite hacienda en brique, hein, nous on va faire ça en cobble brique. Après on verra si on modifie, mais je pense pas. J'ai pas de design, on fera ça au feeling, hein. Je vous le dis direct. Ok, on peut y aller. Avant ça, je vais quand même faire un truc qui me saoule. Faire ça avec vous. Non, pas ici, c'est ici. C'est la taille des boutons. Échelle d'interface. Ah oui, c'est au maximum. Quand même. Ok. C'est au maximum ça, sérieux, je pensais qu'on va faire plus grand. Bon, pas grave. Alors c'est parti, on y va. Oula, là ça a bien poussé. Une fois il faudra venir récolter tout ce qui est ici. On aura masse pain, masse carotte. Au moins on a des patates. Oh, il y a des chevaux ici. On va pouvoir adopter d'autres chevals. Ouais, c'est cool ça, ça c'est la classe. Ok, on fait ça, on continue. Nous on sait où ce qu'on va, hein, donc c'est pas très grave. Si je me souviens bien, c'est par là. Hein. Genre, le gars qui se paume déjà au début d'épisode. Ouais, je pense que c'est par là. Si pas, c'est pas grave. On change de côté. Ouais, non, c'est par là. Je vois la plaine. N'empêche, c'est pas si près que ça. Hein. C'est assez loin pour faire tous les transports et tout. Moi, je connais pas les backpacks, les shulker box. On les a pas. Dommage. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas grave, ma chérie. On va se mettre près de la montagne, parce que je pense faire un truc dans la montagne. Donc, voilà. Un truc que j'ai pas fait, c'est j'ai pas pris de terre. Par contre, ça c'est con, mais j'ai pas pris de terre. Où va-t-on s'installer? Ah là, il y a un bon petit pot. Il y a un bon petit champ plat là. Qui a l'air pas trop mal. Ouais. Allez, on s'installe ici. Alors. La taille de l'épaisseur de la porte, on fera bien sûr toutes les finitions. Soit je les ferai hors cam. Ou soit je les ferai avec vous, mais plus tard. Donc voilà. Alors, hop, on fait ça. Donc pour moi, je fais juste le design, on est d'accord. Ok. Donc là, c'est un peu. Okay. Torche, pas besoin de torche, moi. Hein. Voilà, 3. Je reste sûrement pas assez de matériaux, hein, mais pour le début ça suffira. Puis je fais ça, ok, puis je fais ça et je repars, ok. Le début de la hacienda, bah, c'est très simple, c'est une hacienda un peu à la mode à épierre, mais je vais faire une petite modification, donc au-dessus, vous allez voir, donc pas trop, mais bon, elle n'est pas du tout du même matériau. Voilà, c'est pas très très grave. Bon. Le titre s'appellera l'hacienda, bien sûr. Ou la maison, je sais pas encore, vous verrez bien le titre. Quand je serai inspiré. Enfin, je serai inspiré. On verra.
Ok. Ah oui, les bugs. Les bugs de trucs. Et là, j'étais largement trop loin en fait. Je réalise que j'étais largement trop loin. 4. Ah non, 5, c'est bon. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, je suis pas en créatif. D'habitude, je fais plein de trucs en créatif. De map surtout. Et bah, j'ai toujours l'habitude de jouer en créatif. Soit c'est la seule série que je joue pas en créatif. Enfin, seule map où je joue pas en créatif. Donc voilà. C'est dit. L'image tombe. Ça a eu déjà quand même pas mal de blocs de cobble. Hein. Tudum, ok. Tudum, on va pas non plus les gâcher les blocs de cobble. Hein. Voilà. Alors pour le moment, on a une très belle base. Hein. On a une très. Bon, ça c'est les bugs de la. De la Snapchat. Donc ici c'est bien l'entrée, voilà. Nous en avons encore un. Ok, voilà, on fait ça, puis on fait ça, et on fait ça. C'est un pattern assez facile, hein, donc j'expliquerai tout ça après. Ok, par ici, voilà. Je préfère ça en accéléré, mais j'ai envie de faire ça avec vous. Les accélérés, je ne l'ai plus fait depuis très longtemps et ça me botte pas, donc voilà. Mais je vais essayer d'en reprendre pour ce LP assez rapidement. Parce que ça me plaît bien les accélérés aussi. Ok, hop, on fait ça. Oui, je suis bientôt à la fin, je suis au dernier là. Ok, je fais ça et je fais ça. Et puis, je fais ça. Ok, hop, on peut en mettre un, on continue, et normalement c'est le dernier. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne en vrai. En fait, le pattern c'est 3, et vous décalez de 1, et vous mettez en décalé une planche, enfin un tronc, voilà. On fera la déco finale des fenêtres et tout. Vous verrez bien tout ça en temps et en heure. Alors, maintenant on va monter ces piliers. Je sais pas de combien, mais on va les monter. On va les monter de 2. Hein. Ça fera 3 d'auteur. C'est déjà pas trop trop mal. Ok. Dès que vous avez fait ça partout, vous faites bien sûr vous monter les murs. Donc, ouais, non, je vais pas vous retrouver dès que c'est fait. On fait ça. Enfin, si, je vais quand même vous retrouver dès que. Tout est mis à la même hauteur. À tout de suite. Et voilà. Bon, alors j'ai monté de 4. 4 d'hauteur. Et j'ai bouché juste à la quatrième hauteur ce truc-ci. Bon, après, ça sera bien sûr bouché avec des beaux trucs, vous n'inquiétez pas, mais là c'était juste pour le toit. Alors, pour le toit, c'est assez simple aussi. On va vite faire ça rapidos. On fait vite un petit escalier comme ça dans la. Dans les murs, hein, voilà. Et on fait ça, on recouvre tout. Voilà, on recouvre vraiment tout. Bon, je n'aurai pas ce matériau, mais le truc est assez simple. Donc voilà, hop, on fait ça, et après on va partir faire autre chose parce que bah, j'ai plus de matériaux. Donc c'est plus possible, on est d'accord. Quand on a plus, on a plus. Après, on ira adopter des poneys. On ira adopter des poneys, ouais. On les mettra déjà dans la maison, en fait. Ainsi, bah, ils sont déjà en liberté dans la maison. Après, on fera sûrement une écurie plus tard. Je pense que c'est le prochain truc qu'on va faire pour stocker nos chevaux. Une belle petite écurie, enfin, petite. On va faire une belle écurie. Après, on fera une prairie avec des chevaux. Bon, voilà. Là, j'en ai plus. Donc, pour le moment, on a déjà fait. Une partie de la maison, donc c'est on va aller dans le titre. Donc le titre est maintenant fini. Le titre c'est l'Hacienda partie 1. Voilà. Alors là je vais faire ceci. Voilà. Dites pourquoi tu casses tout? Je casse rien. Je casse rien du tout. Le seul truc c'est que bah il me faut. Ok, on a le bug. Voilà, merci. Il nous faut juste aller chercher une selle en fait.
des selles, rapporter les chevaux. Mon cheval, il va rester là-bas. C'est un bon petit cheval. On va le garder là-bas. Ce sera notre cheval préféré. On a d'autres chevaux ici, hein, bien sûr. Mais on a déjà quelques chevaux. Tout près qu'on a déjà vu. J'en ai déjà vu au moins 5. Plus le mien, ça fera 6. Ça fait déjà pas mal. Je vais pas prendre tous les chevaux non plus. Mais jusqu'au temps que je trouve mon cheval parfait, quoi. Ok, là on peut sauter. De toute façon, on perd pas de vie. On est en passif. Et pas de mob. C'est dommage, hein, mais bon. Pour la construction, je préférais, puisque j'ai construit de nuit. Donc c'était pas très l'idéal non plus. Donc voilà. J'espère que vous m'en voulez j'espère que vous m'en voulerez pas. Donc j'ai fait un petit sondage. Enfin, un sondage par truc. Dites-moi si pendant les constructions extérieures ou intérieures, vous voulez bien que je coupe enfin, me mettre en passif, quoi. Si vous voulez bien. Après, si vous voulez pas, je le ferai pas, quoi. Mais voilà, c'est voilà. Si vous voulez bien, je pourrais le mettre en passif pour construire peut-être plus vite, faire moins attention et me concentrer plus sur la construction. Donc, voilà. Bon, toi, mon petit coco, tu vas rester là. T'as pas de selle, c'est pas grave. On va adopter d'autres chevaux. On va t'apporter d'autres copains, t'inquiète pas. Bon, toi, tu resteras là un peu là tout seul. Mais toi, t'es vraiment à l'abri, donc ça va. Je m'en fais pas pour toi. Alors, on va chercher d'autres petits copains. Ok. Et bon, maintenant, en fait, je peux faire ça. Alors, je peux le faire. Paramètres. Ouais, j'ai mis le cheat parce que bah pour revenir en vol, je l'avais fait. C'est totalement. Je l'assume, je me suis mis une fois en créatif pour revenir à la base, faut pas me perdre. C'est juste ça. Donc si vous voulez m'engueuler, vous pouvez. Mais moi je trouve ça c'était juste pour pas me perdre en fait. Mais après je suis quand même mort après. Donc, voilà. Mais c'était pour pas perdre ce que j'avais trouvé et je sais normalement on peut pas quand on fait une survie solo et tout. Survie, c'est juste pour retrouver la maison, c'est pas non plus pour avoir des blocs ou du stuff et tout. Non, j'ai pas fait ça donc. C'est juste pour revenir à la maison. Voilà. Ok, donc voilà. Alors, mes petits poneys. Après, je pourrais prendre une mule aussi. Une mule pour faire pour ramener tout le stuff. Ça pourrait être utile. Parce qu'elle peut prendre des coffres. Donc voilà. Après, on verra. Faut que je trouve déjà une mule. Voilà. Voilà, je pars à la nouvelle maison. Bon, qui n'est pas encore finie, vous avez pu le voir, hein, bien sûr. Mais il y avait des chevaux tout près. Donc, on va essayer de les avoir. Ah, mais maintenant, je suis plus en passif. Je peux perdre la coupe. Donc, on voit un peu. La génération de la maison, je prends mon épée, c'est utile. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ma maison, elle est où? Please. J'ai pas mis ici ma maison. J'ai mis où ma baraque? Où est ma maison? What the fuck? Ma maison, elle a disparu ou quoi? J'avais ma maison, je pense, réellement ici. Hein. What the fuck, man? Mais what? Où est ma baraque? Bon, les gars, vous m'autorisez, merci, je vais mettre en créatif. Je vais au moins survoler pour voir où est ma baraque, quoi. C'est pas possible. Moi, je pense que je l'avais vraiment mis là. Mais pas du tout. En fait, elle est pas du tout là. Soit elle a despawn. Là, il y a des chevaux. C'est bien beau. Mais sans ma baraque, ça sert à rien. Sérieux, ma baraque, elle a despawn. C'est quoi ces bugs?
Oh non, putain, non. Mes matos. Plus par là, peut-être. Mais what? J'avais bien mis ici. Donc, je suis pas fou. Ma baraque a despawn. Ce Minecraft qui fait de la merde. Oh putain, je suis déçu. Ah ouais. Ouais. Sûr. Ouais, plus de baraque. Que faire? Ça me saoule, franchement, ça me saoule, c'est chiant. Faut pas que ça me passe ça dans des grosses conditions. Donc là, on a un village. Bon, je vais retourner. Je vais retourner. Ma baraque était bien là. Ma baraque était vraiment bien là. Ouais, t'es là, ici, t'es quelque part là, je pense. Je vais retourner. Ok. Ouais, c'était vraiment. Ouais, non, elle était vraiment bien là. Il y a le lac de lave là. Là. Ma baraque a despawn. Totalement pas. Je retourne à la maison. Je vais faire un truc décoroco. Ici. Je vais décoroco ici. Ok, hop. Petite ellipse, je reviens. Ça va, j'ai juste décoroco. Et j'ai. J'ai ma maison. Ok, donc je peux prendre mes chevaux. Donc elle était vraiment bien là. Je me suis vraiment arrêté pile devant et voilà. Donc, les petites frayeurs. Alors, toi, je peux te monter. Voilà. Ouh, toi, t'as pas mal de vie. Alors, adopte-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, adopte-moi. Allez, je te frappe, c'est pas bien. Si tu m'adopterais, ça irait mieux. Toi, tu es un rebelle, toi. Pas bien. Je sais pas que tu vas hyper lentement. Non, pas par là. C'est bien, tourne. Ok. Hey, s'il te plaît. Ah, quand même, il était temps. Donc, toi. Ouais, non. Est-ce que tu sautes haut? Sérieux, tu peux pas sauter plus haut que ça, mec, putain. T'es une grosse merde. T'es une grosse merde. Alors. T'es une méga grosse merde. Comment t'appeler autrement, en fait? C'est ça. Alors, toi. Adopte. Allez, s'il te plaît. Adoptez-moi. Ouais, cool. Ah, toi, par contre, toi, tu as une fusée, toi. What the fuck, t'es une fusée, tu sautes haut. Ça, c'est bien. Bon, bah, toi, je te rentre. Voilà. Et comme je suis comme un gros boulet, je suis toujours en créatif. Créatif. Survie. Reprendre. Ok, bon, ça a rien changé, c'est juste que je me dis, what? J'ai des blocs à l'infini. Hop, je rebouche, voilà. Bon, j'ai juste un cheval, ça me suffit pour le moment. On verra bien la fin. La prochaine fois, je ferai le toit et on terminera tout le deuxième étage et la déco. Et voilà, on fera ça ensemble. Donc voilà, les gens, petit épisode, mais bon, c'est nouvel an. Je vous souhaite une très bonne année et bonne santé à tout le monde. Ciao les gars!